Les Totons, c'est un groupe de quatre potes, Léna, Yannick, Robert et Marc. Quatre potes passionnés de musique et qui, depuis 4 ans, quittent chaque soir leur boulot pour rejoindre le comptoir du bar. Il y a pas mal d'associations qui sont créées sur le lieu. C'est-à-dire c'est des clients qui réclamaient un style de musique particulier, qui avaient des contacts. Et puis, tout ce qu'il a fallu dire, c'est pourquoi vous n'organisez pas le concert, vous avez des contacts, etc. On vous donnera un coup de main, quoi. Et puis voilà, il y a quelques assos qui se sont créés comme ça spontanément et qui marchent en fait. Et il y a eu des assos comme Fuzzbox, Kérosène, qui ont profité en fait du lieu. Quoi, là. Et puis voilà, ça a pris une dynamique qui était vraiment inespérée. Quoi. Inespérée, car le café se situe à l'écart du centre-ville, au bord du canal Saint-Martin. Le quartier, plutôt populaire et calme, les a bien accueillis. Les clients, eux, fuient avec plaisir la frénésie nocturne des rues plus animées. C'est un fait, des meilleurs, je pense, quand même. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de place comparé à pas mal de cafés, notamment rue Saint-Michel, rue de la Soif, où c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de place. Tandis que là, c'est quand même plus convivial. Et... C'est excellent, ils font des concerts vachement régulièrement, tout ça. Et il y a toujours une bonne ambiance, des gens divers, et je trouve ça cool, quoi. À l'arrière-salle du café, Canal B. La radio associative rennaise y a installé un studio d'enregistrement pour pouvoir diffuser sur son antenne les concerts en acoustique et en direct. C'est un truc qu'on fait régulièrement quand on sent bien les groupes, quand on pense qu'il peut avoir un bon son et qu'on a un créneau de libre sur l'antenne. Quoi. Voilà, on fait aussi ici des émissions tous les dimanches, qui s'appelle Pyjama Party, où on invite des groupes qui viennent jouer en live à la fin d'une émission, où on invite un peu les acteurs de la vie culturelle et musicale du coin. Le café risque de fermer d'ici peu pour cause de réaménagement du quartier. Les Tontons, fiers de leur succès, ont déjà préparé leurs souvenirs. Que ce ne soit pas non plus 3 ans, 4 ans ou qui sait, peut-être 5 ans de bar qui s'envole en fumée. Là au moins on aura toujours le souvenir pour le vieux jour de feuilleter ce fameux livre d'or. L'audio Triban, passé pour la seconde fois au Tonton Fringueur. Dernier lieu de convivialité, les cafés-concerts restent pour ces groupes des salles de spectacle privilégiées.